C'est un super endroit pour une fête d'anniversaire, Suzy. Merci. Youhou! Oh, mais c'est Madame Gazelle, en fait. C'est moi, Dani. Oh, bonjour, Madame Gazelle. Youpi! Peppa est là. C'est le cadeau d'anniversaire de Suzy. C'est une balle rebondissante. Elle est très rebondissante. Oh! Oh non! Oh! Que se passe-t-il? Désolé, papa. Je ferai mieux de bien tenir le cadeau de Suzy. Oh mon Dieu! Joyeux anniversaire, Suzy! Merci! Bienvenue à ma fête! On t'a apporté un cadeau. Oh, merci! On met tous les cadeaux près de la chaise d'anniversaire. Tu veux que j'aille le poser pour toi? Non, merci. Ce cadeau est un peu rebondissant. Wow! Qui veut jouer à un jeu? Moi, s'il te plaît. C'est une course autour du centre de jeu. La personne la plus rapide reçoit un prix spécial. Youpi! Tu es prêt, Dani? Prêt, Suzy. 3, 2, 1, partez! Bravo, Dani! C'était super! Merci, Suzy! Qui veut être le suivant? Oh, moi! Moi! Oh non! Prête, Peppa? 3, 2, 1, partez! Oh! Reviens à balle! Allez, Peppa! Vas-y! Oh! Oh non! Ah! Oui, bravo, Peppa. Ça y est, je l'ai. Waouh, Peppa, tu es allée vraiment vite. Je pense que tu as totalement mérité le prix spécial. Voilà ton prix. C'est une balle rebondissante. Oh! Il faut que tu fasses un peu attention, par contre. Elle est très rebondissante. Oui, bravo, Peppa. De la glace, miam. C'est bon, n'est-ce pas? Je me demande si Peppa et Papa Pig finiront par tout manger dans leur camion de glace. Glace, glace, venez chercher votre délicieuse glace ici. Pas si vite, Peppa. On doit d'abord s'installer. Tous ces différents parfums de glace ont l'air si bons. Tu as raison, Peppa. Lequel aimerais-tu goûter avant d'ouvrir le camion aux clients? S'il te plaît. Ça arrive tout de suite. Oh là là, on dirait qu'on a des clients, Peppa. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. Bonjour, Mandy.
Bonjour Peppa, peut-on avoir une glace s'il te plaît? Bien sûr, vous êtes nos clientes, Mandy. Choisissez chacune un parfum qui vous plaît. George, il y en a encore plein. Attends juste que la grande roue s'arrête. Miam! Merci, Peppa. Oh-oh! Waouh! Il pleut de la glace! Oh mon Dieu! Je suis vraiment désolée, Pedro. Ne vous inquiétez pas, Madame Pig. J'adore la glace au chocolat. Voilà, je suis tout propre maintenant. Bien, tu veux nous accompagner, George et moi, jusqu'à notre camion de glace? Tout un camion rempli de glace? Oui, s'il vous plaît. Peppa, je ne savais pas que tu avais un camion de glace. Oui, Pedro, et la glace est délicieuse. George, aimerais-tu servir notre prochain client? Je peux en avoir une au chocolat, s'il te plaît, George? Yeah! Et maintenant, tu peux donner le cône au client, George. Glace! Glace! Oh! Oh, Pedro, je suis désolée. George aime bien trop la glace pour en vendre. Hé! Hey, j'ai une idée, Pedro! Dis donc, en voilà une excellente idée, Peppa. Ça sera un bon moyen de tester nos talents de glacier. Pedro, attends un instant, s'il te plaît. D'accord, Peppa. Une, deux, trois, quatre, cinq. Waouh! C'est la plus grande glace que j'ai jamais vue. Elle va dépasser la grande roue. 17, 18, 19, 20. Je n'en crois pas mes yeux. Une glace de 20 boules. Je ne pense pas que j'arriverai à la finir un jour. Glace, glace. Ne t'inquiète pas, Pedro. Je connais quelqu'un qui serait bien content de t'aider. Wow! Oh là là, ces ballons me font décoller du sol. Je suis sûre que tous les enfants vont les adorer. Attachons-les ici, tout prêts pour demain matin. Très bien, les enfants. Qui est prêt pour notre superbe aventure au parc des ballons? Yeah! Yeah! Parfait, suivez-moi. Bonjour. Bonjour, Madame Gazelle. Bonjour, les enfants. Madame Pig, regardez-moi. Super, Gérald. Est-ce que je peux vous parler de quelque chose? Les ballons sont partis où? Oh non! Qu'est-ce qui se passe, Madame Gazelle? Eh bien... Maman Pig et moi avions amené plein de ballons pour que vous puissiez jouer avec. Mais on dirait qu'ils se sont envolés. Oh non! Mais attendez!
Regardez par là-bas, il y a un ballon. Je parie qu'il y a des ballons dispersés un peu partout aux alentours. Et si on essayait de tous les retrouver, Madame Gazelle? Oh, les enfants, vous m'impressionnez toujours. Quelle merveilleuse idée! Appelons ça le projet Chasse au ballon. Regardez là-haut, il y a un ballon! Bien vu, Rebecca! Les enfants, vous avez assez de courage pour grimper et le récupérer? Hooray! Il faut juste le détacher. Yay! Yay! Je l'ai. Je ne vois aucun ballon. Georges, peut-être qu'en te balançant sur la balançoire, ça libérerait le ballon. Oui! Oh non! Ah! Un travail formidable pour trouver les ballons. Vous pouvez tous être très fiers de vous. C'était vraiment très amusant. Nous avons pu voir tous les manèges du parc des ballons. Oh, c'est quoi celui-là? C'est le manège des ballons. Maintenant que nous les avons tous retrouvés, place au lâcher de ballons. Et puis, le T-Rex est arrivé et a fait peur à tout le monde. Dinosaure! Tu as entendu ça, Georges? Ça doit être papa. Surprise! Génial! Une maison avec des roues! C'est ça! Ça s'appelle un camping-car. Et nous allons le prendre pour partir à l'aventure en camping. Oui! Ça a l'air d'être un endroit pour camper très sympa. Et si on installait notre camping-car? Ouais! C'est un hamac sur le toit? Oui, Peppa. Papa Pig ou moi pouvons dormir là-haut. Où est-ce qu'on va dormir, Georges et moi? Faisons une visite de notre camping-car. Suivez-moi! Ça, c'est votre chambre. Ok, donc il y a un hamac et deux lits. Ça fait trois couchages. Mais nous sommes quatre. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Ah ah! Bien vu, Peppa. Mais nous n'avons pas encore terminé notre visite. Ces bancs peuvent se transformer en lits. Il y a donc assez d'espace pour que tout le monde puisse dormir. J'adore notre camping-car! Il est magique!
C'est vrai. Et si vous alliez jouer dehors pendant que maman et moi finissons de tout préparer? Papa, tu peux nous raconter une histoire effrayante? Maintenant que c'est la nuit, ce sera encore plus effrayant. Eh bien, j'ai entendu dire ce camping abrite une horrible araignée. On dit que... On dirait que je ne suis pas très courageux quand il s'agit de raconter des histoires effrayantes. Ok, Georges. Et si toi, tu nous racontais une histoire d'horreur? Dinosaure! J'ai changé d'avis. C'est trop effrayant, Georges. Je pense que c'en est assez d'histoires effrayantes pour ce soir. Je sais ce qu'on pourrait faire à la place. Observez les étoiles. Bien vu, Georges. Ça, c'est une étoile filante. Fais un vœu. Certaines des étoiles créent des dessins, comme celle-là. Elle ressemble à... Eh bien, elle me ressemble! Tu as raison, Peppa. Un groupe d'étoiles qui forment une figure s'appelle une constellation. Qui aimerait voir les constellations dans le ciel plus clairement? Oui! Si tu le mets comme ça, et tu regardes par là en direction du ciel. Oh! Oh mon Dieu! Silly Daddy, ce n'est qu'une toute petite araignée. Maman, d'après toi, qu'est-ce que Georges a souhaité tout à l'heure quand l'étoile filante est passée? Qu'est-ce que c'était? Je pense connaître le vœu de Georges maintenant. Dinosaure. Tu dois vraiment mettre toute cette crème solaire, maman? Oui, Peppa, le soleil brille très fort aujourd'hui. Bien, qui est prêt à aller à la plage? Tu as mis ta crème, Papa Pig? Bien, maintenant c'est fait. Le moment est venu pour notre aventure à la plage. Georges. Oh oh! Bienvenue dans votre château, Prince Georges et Princesse Peppa. Waouh! Ne t'en fais pas, Georges. Les châteaux de sable ne durent jamais bien longtemps. Faisons le nôtre. Ça sent bon, Maman Pig. Merci. Il fait tellement chaud aujourd'hui qu'on dirait qu'on est déjà tous passés sur le grill, Papa Pig. Oh oh! Ne t'inquiète pas, j'ai pile ce qu'il faut pour nous rafraîchir. Hé,
Qui a envie de se rafraîchir dans la pataugeoire? Moi! Un vrai délice! Oh, oh, il fait vraiment chaud! Papa Pig, regarde-toi, tu es rouge vif! Maman, pourquoi les crabes s'enterrent-ils sous le sable? J'imagine que c'est pour éviter le soleil brûlant, Peppa. Je vois. Oh, 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 soyez prudents. Dites donc, il fait plutôt frais ici. Voilà, papa. Comme ça, tu n'auras pas trop chaud jusqu'à ce qu'on rentre. Bon travail, Peppa et George. Je suis très fière de vous. Quelle aventure aujourd'hui! Oh oh! Je suis coincée! La vague arrive!